Samedi prochain, j'ai un combat. C'est juste un combat de préparation pour le mondial. Physiquement, très bien. Le matin, déjà à 6 heures, et je suis déjà à la plage. De PK10 à la Benoise. Si on quitte au PK10, à Le Bélier, je sors par là et je continue pour la Benoise. Je retourne à PK10. Et techniquement, ça a été bien passé. C'est du 16h à 18h. Donc, tout mes travaux, avec tous mes trois couches, vraiment, c'était nickel. Et maintenant, c'est à moi de démontrer ce que je sais faire sur le ring. C'est dans le cadre de préparation mondiale et qui va me permettre d'être sur le top mondial et WBC francophone. Je vais aller au Ghana et dans la ville au Ghana, à Keta. C'est dans la ville du Ghana, c'est à Keta. Oui. Azioda, c'est mon adversaire, c'est un vrai cogneur. C'est un gars qui se recule jamais et qui fonce comme moi. Donc, on a travaillé là-dessus, on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est moi maintenant de démontrer comment le frapper. Tu ne parles pas dessus bêtement, quoi. J'aimerais vous dire, je reviens d'ici avec la victoire. Puisque si tu aimes bien ton pays, tu vas travailler. Donc, j'ai déjà mon talent envers moi-même et le samedi, je vais le développer. Mon état d'esprit est au top niveau et moi je promets juste au peuple noir de m'accompagner avec la prière et je reviens ici à Cotonou avec la victoire. Inch'Allah.